Amen. Donc, comment voyez-vous la demi-finale, les matchs de quart de finale Sénégal-Guinée équatoriale. Sénégal-Guinée équatoriale, c'est un match qui s'annonce très difficile, même si le Sénégal est favori. Mm-hmm. Oui. Parce que la Guinée a une équipe qui joue au ballon. Qui joue au ballon et qui savent descendre. Oui. C'est voilà. Une équipe très joueuse et que moi-même j'ai confiance. Ah. Oui. Donc, comment voyez-vous le match, le pronostic Sénégal-Guinée équatoriale. Penalty. Le Sénégal va s'en sortir au penalty. Au penalty. Et les noms qui sont massifs, Sénégal, premier tour, il vient le premier sans défaite, gagner Cap-Vert. Donc, il y a un lien avec Rennes, mon nom est jusqu'au bout, gagner Coupe. Waouh, mais du yomou nak da du yomou comme niko gaay da yakare du yomou ko parce que xam match yi ni xam rek legui football amoto equipe bunda amoto equipe ma xam ñepp yam gaay da lañ ci def full def ci fayda xam et puis ñu wañi critique yu bari quoi xam rek lañ ñaanal boy ak grand yi xam ñu def jam ak salam yalla bax na inshallah ma gëm na ne ko bi Sénégal la jëm mu neex yalla mais tay match lo score. Non, vous avez 2-1, ça va pas. Non, 2-0, parce qu'en encaissé ce goût, vous avez encaissé, vous avez 2-0, ça va pas. 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 Amna dañuy to sax na la ñun yeen lañu bëgg jël coupe d'Afrique bi xam nga c'est pas une match qui est très facile. Guinée équatoriale c'est une équipe pièce. On a vu les toutes depuis le début quand jusqu'à là maintenant ils sont comment, ils jouent les grands matchs, ils se confrontent avec les presse les gros équipes, les big five d'Afrique. Mm-hmm. Bon, il faut que le Sénégal aussi encore essayer de relever le niveau de jouer. Mm-hmm. Pour qu'il essayer de battre la Guinée équatoriale parce que c'est possible. On a une équipe exceptionnelle des joueurs qui sont au niveau. Mm-hmm. On a aussi encore franchement on peut s'en sortir aujourd'hui, on peut gagner 2-0 ou 1-0. Donc une finale, Sénégal-Cameroun. Propre. Et on va aller, on va s'entendre. Propre. Comment? On va s'entendre comment? On va s'entendre façon. Façon. mais pas comme 2002. Non. Le problème qu'on va s'entendre, on appelle ça fracture. Je supporte le Sénégal parce que je sais que Sergio Mané aujourd'hui a 2 buts dans cette rencontre. Sadio Mané, 2 buts dans cette rencontre. Ouais. Voilà, Sadio Mané, c'est le meilleur joueur du Sénégal. Oui, c'est le meilleur joueur. Avec le meilleur gardien du monde, Mendy, Edouard Mendy. Ah, donc vous maîtrisez l'équipe du Sénégal? Ouais, je maîtrise. Voilà. Maintenant, voyez-vous le Sénégal donc en finale face au Cameroun? Ouais, mais face au Cameroun, on ne peut que supporter le Cameroun. Ah oui? Oui, on va les écraser en finale. Vous allez écraser les Lions de la Teranga? Oui, le Lion et Nantes vont écraser les Lions de la Teranga. Maintenant, on pourrait avoir une revanche de 2002? Non, il n'y a pas question de revanche. Même s'il y a la revanche, on joue sur notre terrain, on joue avec notre ballon, c'est notre canne. Ça va rester ici au Cameroun. Maintenant, connaissez-vous d'autres joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, à part Mendy et Sadio Mané? Ah, le capitaine Koulibaly. Koulibaly? Oui. Vous connaissez la capitale du Sénégal? Non, je ne maîtrise vraiment pas. Vous ne maîtrisez pas le Sénégal? Non. C'est Dakar. Donc on va vous inviter aujourd'hui au Sénégal. Ok, il n'y a pas de souci, ce sera un plaisir. Ok, merci. Ils avancent, à pas sûr, mais ça reste... il y a beaucoup de choses quand même qui restent à faire. Surtout sur le plan offensif. Merci, Mambo, oui. Okay. Sur le plan offensif, ils n'ont pas encore montré les visages. Okay. Et c'est là où ils vont s'y prendre l'adversaire qui va ouvrir le jeu avec eux. Okay. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc, score du match aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, le score. Contre la Guinée, ouais. Non, certainement, le Sénégal va, ne serait-ce que sur le plan de classement mondial, ils sont sur le papier au-dessus. Mm-hmm. Et en plus de ça, il y a aussi un autre plan qui est celui de la majorité des 11 entrants de l'équipe du Sénégal. Exactement. Franchement, ce sont des titulaires qui méritent. Et que aujourd'hui, là, vraiment, mon frère guinéen est très mal placé pour gagner le match. Okay. Oui. Mais si ça se joue encore Cameroun-Sénégal, le remake de 2017 risque de se reproduire. Il va se reproduire. Ah, le Cameroun va encore gagner. Il va encore gagner. Pourquoi? Parce que. Les éléments même du match de 2017, beaucoup ne sont plus encore là, dans l'équipe du Sénégal. Au contraire, se passe. Oui, et je transmets aussi même mon message à l'équipe, au coach du Sénégal. Ali aussi, franchement, j'ai beaucoup d'admiration envers lui et que je le respecte beaucoup parce que c'est un très bon coach, c'est un coach qui est capé. Il court depuis quand il est joueur jusqu'à il est ménage près de 15 ans à l'équipe entraîneur de l'équipe du Sénégal. Vraiment, je souhaiterais qu'il remporte cette canne-là, mais pas celle que le Cameroun a. Ça sera peut-être la canne de la Côte d'Ivoire. La canne de la Côte d'Ivoire. Oui.
Sénégal a pris confiance. Mané, c'était un peu statique, après mobile. Mais en totalité, le Sénégal a fait une bonne performance. En train de ça, a quand même changé un peu tout. Donc, on supporte le Sénégal et j'espère qu'on va se rencontrer en finale. Donc, deux Lions. Et maintenant, qui va gagner? Cameroun, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Ok. Alors, comme nous sommes ici au stade Amadou Ahidjo, avec le support du Sénégal, tout le monde. Mohamedou Diop, venez supporter le pays donc, de la Teranga, le Sénégal. Donc, Diop, nous tous les matchs. Ah, match bien, c'est l'imam, hein? Nous sommes venus, nous sommes venus. Sénégal, c'est quand même. Nous sommes venus à Atlanta, Dakar, nous sommes venus. Ñio Cameroun bu jëssu ko bi delo ko Dakar voilà kon gisé wa Sénégal yéni sétane xamlé na sax Atlanta la jogé ñew Sénégal ñew Cameroun pour sétane donc Sénégal ñepp ngi ci ginaaw pour gagner légui la mo def différence tay match bi tay Aliou Sarr amni do teur sar liñ ko duggal ça fait une grande différence ak djien donc vraiment tay remplacement def nañ différence remplacement def nañ différence mag mag tay ga donc légui lay wax Aliou Cissé non il n'a qu'à continuer hein parce que ce qu'il fait déjà c'est bien ce qu'il reste c'est deux matchs. Et puis on prend la coupe. Hein? Ouais, la coupe. Et puis on rentre à Dakar. Et puis on va faire pleurer les lions de notre table. Ah oui. Ouais. Ok, merci beaucoup, Mohamed. D'accord. Équatorial 3-1 et se qualifie pour les demi-finales. Donc, nous avons un grand supporter, Biggie, qui est un influenceur sénégalais, qui a été fait. Donc, nous avons une réaction. Donc, Biggie, nous avons tourné match. C'était trop bien, on a adoré. Il y avait beaucoup de pression. Nous avons vu le Dougouneur. Après, on est parti en mi-temps. Accident là quoi. Accident. On n'a pas vu la balle après nous traverser le bout. Même je n'ai jamais été fan de foot, mais j'ai été contacté par la Fédération sénégalaise de football et le ministre lui-même, ministre des Sports, après ma deuxième délégation, en tant qu'influenceur, mais expérience de bonheur. Moi, je commence à m'y habituer. En tant que journaliste de football, je n'ai jamais cru que ça me serait intéressant du football. Mais ça a été trop bien supporté, rien n'est de dégoût. Et tout le monde adore ce qu'ils font en même temps, mieux intégrer au Nangdoubou Tibi. Et c'est ce qui fait la beauté vraiment africaine. Il est quand même venu supporter un peu, faire Amoufik. Et on espère qu'il va évoluer, non aussi. Et qu'il y a une CAF qui a été incité à ce que Richeri Banyam, Dara Banyam. Et c'est trop bien, comme ça, peut-être qu'à la fin, on sera le gagnant, pourquoi pas. Parce que ce sera une première fois vu que nous avons une étoile. Nous avons une étoile. Est-ce que tu as un Sénégal qui a gagné la Coupe du Monde? Ah, bien sûr, je suis venu pour ça. Mais tu dois avoir un secret. Un secret, wow. Ça, c'est moi, je dois faire ça ma valise. Ah. Pour me dorer, je vais aller. Hôtel, va. Non, valise, je vais aller. À chaque fois, mes amis me disent que. Je vais faire la valise, peut-être Danny Jig.